Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Go. Avant de le regarder, pensez juste à une chose, vous abonner. Également, on aimerait remercier notre partenaire sur cet épisode, Espace Plaisir. C'est un love shop, c'est un site internet ou des boutiques. Et ce sont donc des sex toys, comme par exemple Tatati. Mais d'où sort-il ce bunny? C'est énorme. Je ne dirais pas où il était avant. Pour toutes les personnes à vagin et à clitoris, ça vibre et ça rentre. Sur le site internet, vous pouvez trouver plein de choses diverses et variées pour vous faire plaisir, ou faire plaisir à l'autre, ou faire plaisir aux autres. Chacun et chacune a ses pratiques. Il y a 6 catégories de produits différentes. Sextoy, lingerie, BDSM, aphrodisiaque, bien-être et jeux et librairie. Notre épisode de Go s'appelle Chantons sous la mouille. C'est une ode à la sexualité féminine et à la libération sexuelle. Donc ce partenariat tombe à pic. Complètement sous le sens. On vous propose un petit jeu, c'est le jeu placement de produit. Vous pouvez vous amuser à retrouver ce lubrifiant à plusieurs moments de la vidéo, caché dans un coin ou un recoin d'une salle de bain ou d'une chambre. Et ce bunny, lui, il sera vraiment pas difficile à trouver. Un peu moins caché. Encore merci à Espace Plaisir, toutes les infos sont en description pour retrouver leur site et leur boutique. Bonne vidéo. Ah, peu importe, fais ce que tu veux. Ah oui, vas-y, lâche tout. Vas-y, lâche prise un petit peu, voilà. Ah oui, vas-y, remonte-moi le t-shirt. C'est bon quand tu fais ça. Bien sûr, oui. Vas-y, maintenant tu me suis. Suis-moi dans la chambre. On va faire des choses pas très catholiques, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ah putain, ça va être chaud, je te jure. Ah, oh les gars, vous revenez quand là? Oh. Oh yes, ah c'est trop cool. T'as kiffé toi aussi? Ah. Mais ça t'a plu? Ouais. T'as pas l'air... Non mais ça aurait pu être mieux quoi, si seulement... Si seulement quoi? Si seulement j'avais joué, si seulement... Si seulement j'avais joué, putain toi t'es gentil, si seulement... Merci de t'intéresser à ma vie, seulement quand toi tu as fini. Tu pensais que j'avais joui quand j'ai dit oui. Mais crois-moi, t'as rêvé, mon joli. Oh non, je n'ai pas joui. Vous vous masturbez la fréquence en semaine, en mois, en... c'est-à-dire... Je sais pas, quand on a envie, comme vous, quoi. Enfin, comme nous, on mate un film de cul, on se branle, enfin, c'est mécanique, quoi, c'est pas... Qu'est-ce que j'ai réagi, madame? Je parle de ce qu'il fait quand t'es pas là. Attends, juste, pardon. Quoi? Vous croyez qu'on fait quoi? Je comprends pas. Enfin, si, vous avez besoin de romantisme, de... Non? De petites bougies, tout ça, quoi, enfin, de... Ah oui, ouais, bien sûr, ouais, les meufs ont forcément besoin de love, mais vous pouvez juste baiser pour baiser, quoi. Oh les gars, des clichés du Moyen-Âge, moi, elle est fatiguée. Genre, c'est faux. Ok, attendez 2 secondes parce que j'aimerais bien comprendre. Donc, vous pensez qu'on fait comment pour se masturber? Bah, vous vous mettez des doigts. Classique. Quoi? Les filles, on leur dit... Come on, girls. Let's go. Compte révéler ici le secret. Ouais. Comment une fille fait pour se masturber? Ouais. Moi je me colle le pommeau de douche, un bon petit jet, je suis pas farouche. Moi j'ai un super meilleur ami. Il vibre, c'est cool, c'est mon bunny. Masturbation. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. J'ai pas trop faire, mais bon, ça va. Elle sait pas faire, elle sait pas faire. Je lâche pas l'affaire, ça viendra. Oui, ça viendra, oui, ça viendra. Oh, y'a qu'un truc auquel je crois. Pas besoin d'accessoires, j'ai médit. Masturbation. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Non, mais globalement, vous êtes moins branchés que les mecs. Rassure-moi. Bon, pas désolé, mais je vais devoir enchaîner.
Je vais te faire un petit topo. Tu vas me trouver moins mignonne. Arrête, arrête d'imaginer toutes les meufs comme si c'était des nonnes. Je peux être une princesse Disney, mais aussi une vraie lionne. Anal, partout, fessée, facial, tout ça j'affectionne. Ok, bon bah on va refaire tout ça ensemble. Ouais, si je dis oui. Bah alors c'est oui. Non. Allez, s'il te plaît. Fine, quand c'est non, c'est non. Bon, bah, je vais pisser. Vous avez besoin d'aide ? Oh, Fine, dégage, putain. Bon, ça, je déconne. Au fait, j'ai mes règles. Ah, putain, merde. Bah quoi ? Non mais je veux dire, on l'a jamais fait quand t'avais tes règles quoi, c'est bizarre un peu, non? Oui mais enfin c'est pas grave, on va pas s'empêcher de faire l'amour une semaine par mois juste parce que j'ai mes règles. Et attends, c'est carrément dégueu. Et j'ai entendu que c'était dangereux. Et puis tu sais que le sang s'attache, je peux pas jeter mon caleçon. Lâcher son caleçon. Mais depuis quand t'as peur du sang? Et ça fait lubrifiant. On vous fait croire que c'est risqué. C'est une aberration. Une aberration. Mais qu'elle a chaud. Mais qu'elle a chaud. Mais qu'elle a chaud. Mais qu'elle a chaud. Oh, elle a super envie. Oh oui, vas-y. Oh oui, vas-y, vas-y. J'ai une idée si je passais de l'autre côté. Pardon, mais est-ce que tu peux répéter? Bah si t'es pas chaud, laisse tomber. J'étais excitée. Mais qu'elle a chaud. Mais qu'elle a chaud. Mais qu'elle a chaud. Elle a super envie. Oh oui, vas-y. Oh oui, vas-y, vas-y. C'est bon, je vais aller pisser dans les toilettes du haut. Vous prenez pas la tête, hein. Allez, ciao. J'ai l'impression que tout le monde parle de cul tout le temps et moi il y a plein de fois où je fais pas l'amour pendant plusieurs mois, tu vois, ça va, mais j'ai l'impression que ça choque tout le monde. Mais non meuf, t'inquiète, faut que tu fasses absolument ce que tu kiffes quand t'as envie de le faire. Oui, grave. Et quitte à faire ce que je kiffe, j'aimerais bien avoir des orgasmes plus souvent. Oui. Parce que, tu sais, je sais pas toi avec les meufs, mais les mecs que je me tape, ils sont pas tous à jour. Bah ouais, mais en même temps, t'imagines, meuf, ça fait 1000 ans qu'on nous bassine avec le fait qu'il y a des personnes clitoridiennes, des personnes vaginales, Simmer Freud, tu vois ce que je veux dire. Ah bah toi, Sandy, ça doit être bien sans pénétration. Bah qu'est-ce que t'en sais qu'il y a pas de pénétration chez les lesbiennes, gros naze? Bref, en tout cas, moi je suis joué à mes meufs en pénétration tout le temps. Ah bon? Mais comment tu sais qu'elles ont joui? Parce que je l'entends. Ah ouais? Vas-y, ça fait comment? Oh! 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 Connais-tu l'histoire secrète de l'organe entre mes jambes? Oui, je sais pas, peut-être. Mais c'est pas genre une légende? Sais-tu depuis tout ce temps qu'il était là, qu'il était grand? Doté de millions de nerfs encore plus sensibles que ton gland. Il ne sert qu'à une chose, à nous faire prendre du plaisir. Oh oui, à une seule chose et avant tout à nous faire jouir. Elle a joui, il était temps. Maintenant, je l'avoue, je le dis, j'étais con. Il était temps. Jusqu'ici, je ne pensais qu'à mon fion, mais j'ai retenu la leçon.
Désormais je connaîtrai ma mission. Te faire grimper au plafond. C'est cool, c'est mon bunny. Masturbation.